Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Mario Party Island Tour. Je suis vraiment content que vous soyez encore quelques-uns à suivre mon let's play et à me supporter dans cette bataille contre ce jeu qui fait que de me faire perdre depuis le début, mais c'est incroyable. Depuis le début de mon let's play, j'ai gagné la tour de Bowser et tous les plateaux, j'ai toujours perdu. Alors là on va faire le royaume des objets, qui est un peu un entre-deux entre la chance et l'adresse. Bon, les mini-jeux sont censés être assez importants, donc on va y aller. Normalement les mini-jeux c'est pas ce qui pêche pour moi. Non, quel personnage j'ai pas fait encore? Je crois que j'ai pas fait Yoshi, Wario, Waluigi, Daisy, Luigi. Je vais faire Yoshi. Allons-y. Alors ouais, on les laisse en normal, hein. Je laisse en normal, mais... Des fois j'hésite quand même à les mettre en facile, mais je crois que ça change rien au niveau de la proba et du hasard en fait. Ça change juste leur niveau dans les mini-jeux. Voilà, alors, ok. Qu'est-ce que ça va être que ce circuit? Il a l'air plutôt long. Apparemment c'est le plateau le plus long du jeu. Bienvenue au royaume des objets, surmontez les obstacles et utilisez vos objets pour atteindre l'arrivée. Ok, commencez. Nous allons déterminer l'ordre de jeu. Bien sûr, je vais encore jouer en dernier. Hein. Oh! Oh! Pour une fois, je joue en deuxième. Bon. Par contre, jamais je joue en premier. Mais bon. On va pas trop en demander. Faisons les choses petit à petit. Alors. Premier tour, ok. Globalement, le jeu est assez sympa. En fait, parce que j'ai joué un peu au jeu hors caméra et j'ai fait les modes de mini-jeu. Les mini-jeux sont très sympas, je trouve. Surtout ceux avec la gyroscopie, en fait, vous fiez pas trop à ce qui s'est passé dans le live, parce que même si la gyroscopie perd pas mal de... Enfin, est vraiment foireuse, on peut la recalibrer quand on veut, donc ça va, c'est plutôt sympa. Mais ce qui se passe, c'est ok, rétro carapace, bon. Fait reculer un adversaire de deux cases, ok. Ça ressemble à une bataille d'objets, un peu à Mario Kart, ça m'a l'air plutôt cool. Ça sera peut-être même le seul bon plateau du jeu. Parce que oui, je voulais en venir en fait au simple fait que le jeu en lui-même, les plats. Ok, ça commence bien. Donc les mini-jeux sont super sympas. Mais les. Comment on dit? Les plateaux sont soporifiques au possible. Et enfin, ils sont pas marrants. Et en plus de ça, enfin, ils se basent trop sur la chance. Je trouve ça assez insupportable. Peut-être que c'est bien quand on joue contre des potes, mais là, en jouant de cette façon, non, j'aime pas trop. Est-ce qu'il va y avoir un mini-jeu à la fin du tour? C'est la question que je me pose. Ce serait bien, pour une fois. Allez. Ok. Bon, elle aussi, elle a pas fait un super truc, mais bon, elle est devant moi. J'imagine que c'est le... Ok, deuxième tour. En fait, il n'y a pas de mini-jeu à chaque tour. Ah, à partir d'un temps, vous affrontez dans un mini-jeu au début de chaque tour. Ok. Donc en fait, les mini-jeux sont au début de chaque tour. Donc là, c'est sympa. Au moins, il y a un mini-jeu à chaque tour. Ok. J'imagine que c'est le premier arrivé à la fin qui gagne. Donc le gagnant pourra parcourir jusqu'à 12 cases au prochain tour en combinant un dé doré avec son propre dé. Le mini-jeu va être choisi au hasard. Lançons la roulette. Ok. C'est super sympa. Là, que des mini-jeux qu'on connaît. Ah non, un mini-jeu avec la gyroscopie. Bon, tant pis. Là par contre, pour l'instant, j'apprécie un peu plus ce plateau. Pour l'instant, on n'en a pas vu grand chose, mais je trouve que déjà dans le système, il a l'air d'être un peu mieux. Voilà, allez. Ok. Donc là, moi je suis Yoshi, hein. Je n'oublie pas. Allez, Yoshi. Voilà, ok. Allez. Voilà. Mince, mais dégagé. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la balle grossit en fonction du nombre de notes que j'ai ramassées, regardez. Voilà, elle est énorme la balle. Voilà. Elle est énorme et elle devient plus lente en fait. Donc ça équilibre un peu le jeu, ça fait que si jamais un mec il joue trop bien, comme moi, je me lance des fleurs. Non mais si quelqu'un joue mieux que les autres, sa balle devient plus grosse. Donc comme ça, et bah, il peut plus difficilement ramasser d'autres notes et au final les autres peuvent le rattraper, ou au moins le talonner. Ça fait qu'il peut pas finir à 30 pendant que les autres auraient 0. Quoi. Donc voilà, un des 1 à 6. Donc oui, les mini-jeux ont l'air vraiment d'être importants, là, la chance un peu moins. Ça me plaît.
Pas de bonus pour Daisy qui a terminé 4ème. Dommage. Voilà, à toi Waluigi. Utilise ton dé ou pas? Ah bah oui, en fait, je crois que t'es obligé d'utiliser ton dé parce que de toute façon, tu vas en regagner un au mini-jeu. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un truc au hasard? Oh non, il y a un kabang. Un kabang? Ils sont pas sérieux. C'est un twomp. Non, si. Si, mais c'est un twomp. T-H-W-O-M-P, pas kabang. Mon dieu. Appuie sur un bouton, réfléchis bien, tu penses choisir qu'un. Ok. Bien, réfléchis bien. Oh, fais-toi écraser. Eh oui, voilà. Donc c'est pas le rouge, je retiens. Voilà. Kabang. Bon, entre le boulouf, le kalang, on aura tout vu. Voilà, allez. Bon, ça va. Ça va. C'est quand même moins de la moitié de ce que j'aurais pu faire, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je sais pas si c'est bon ou pas. Oh non, ça m'a pas l'air bon du tout. Oh non, c'est une casse-fleur piranha. Elle va te faire... Oh non. Elle va te faire reculer du nombre de cases indiquées sur la roulette. Aïe. Tu l'as dit. Oh mon dieu. Bon, c'est une blague. Alors, je gagne le mini-jeu, et j'arrive à me retrouver exactement la même case sur laquelle j'ai été. Dès qu'il y a un facteur chance, c'est contre moi. Je vais pas me plaindre, parce que, pour l'instant, tout peut être rattrapé. Mais bon. Et voilà, bien sûr, lui, il fait 8. Je ne dis rien. Allez, vas-y, Mario. Foire-toi aussi, parce que j'ai pas trop envie que vous preniez trop d'avance. Allez. Non. Oh, mince. Eh ben c'est bon, tout le monde va pouvoir passer. Tu vois le sommet de la colline là-bas? Ok, c'est la zone de Bowser se trouve juste derrière, c'est là que Bowser s'est installé. Évite la zone de Bowser à tout prix, reste sur la route qui mène à l'arrivée, c'est bien compris? Ok. Bon, voilà. Allez. Vas-y, ça va bientôt être un nouveau mini-jeu. Là, par contre, je trouve que le système de mini-jeu est bien intégré au jeu et que c'est pertinent. Donc c'est assez sympa. Par contre, les objets, pour l'instant, on n'a pas encore vu grand-chose, mais ça a l'air de ressembler un peu aux capsules, quoi. Et qu'est-ce que ça fait? Champignon turbo ajoute 3 au résultat de votre lancer, ok. Par contre, moi, j'ai vraiment pas de chance. Eux, ils font des chiffres de ouf, genre des 6 et tout. Et moi, la seule fois où je fais un truc qui est supérieur à un 4... Et bah c'est... ça m'emmène sur une case piranha. Super. Alors... Allez, bataille colorée. Ok, donc ça c'est LE mini-jeu super foireux. La première fois que je l'ai fait, j'ai perdu. Et je suis pas sûr de gagner non plus cette fois. On va voir. C'est assez foireux, je trouve. Bon, l'idée est bonne. Le jeu est bien, en fait. C'est juste que... Il y a un peu d'aléatoire, quoi. Voilà, allez. Allez. Je crois que c'est moi qui gagne pour une fois. Ouais, largement, je pense. Et le rouge est deuxième, donc Daisy. Ouais, voilà. Ok. Je vais gagner quasiment tous les mini-jeux jusqu'à la fin, et je vais quand même perdre. Vous allez voir. Voilà, allez. Vas-y, Yoshi. Donc, pour ceux qui se demandent s'ils devraient acheter le jeu ou pas, si c'est pour jouer en solo, les mini-jeux sont sympas, mais les plateaux vous ennuieront bien vite. Je pense que si vous avez des amis, par contre, qui ont aussi une 3DS, parce qu'il n'y a besoin que d'un seul jeu, en fait, pour jouer à plusieurs. Donc si vous avez des amis qui ont une 3DS, mais qui n'ont pas forcément le jeu, vous pouvez jouer avec eux, apparemment. Et donc là, par contre, en multijoueur, je trouve que ça doit être beaucoup mieux, en fait. Parce qu'il y a moyen soit de faire ce plateau, qui a l'air bien, soit de faire directement des mini-jeux à plusieurs. Pas forcément des plateaux, mais je fais encore 5. Je suis blasé. Oh. Attendez. Non, ne regardez pas la barre YouTube. Vous n'êtes pas revenu en arrière dans la vidéo. Non, j'ai pas non plus fait un montage spécial pour revenir en arrière dans la vidéo. Je viens effectivement de faire exactement la même chose qu'au tour précédent. Je n'en reviens pas. Ça se trouve, je vais rester ici pendant tout le circuit. C'est possible. Non mais c'est pas incroyable! C'est quoi ce jeu sérieux? Bon, je tiens bon. Et oui, ils font toujours des super chiffres.
tant mieux. Ah, une case contre. Et bien sûr, c'est elle qui va jouer. Chaque joueur reçoit un objet au choix dans l'ordre du classement de ce mini-jeu. Ah non, ça va. Ok, Lily choisit un mini-jeu. Ok, j'ai jamais fait ça, on va voir. Il faut que je remporte le champignon, là, c'est obligé. Je sais pas trop, j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Je crois qu'il faut ramasser des trucs. On va voir. Ok, il faut ramasser les étoiles normales et éviter les météorites. Ah, allez. Non, mince. Ok. Oh, mais tricheuse. Voilà. Là, on évite ça. Ça, je veux. Voilà. Mince. Ah, j'avais mal vu. J'aurais dû mettre la 3D. Voilà. C'est Waluigi qui va gagner, bien sûr. Ah non, c'est égalité entre Mario et moi. Donc ça va se décider au dé. Inutile de dire qui va gagner. C'est inutile. Ah bah non, ok. Parfois quand même la chance se met de mon côté. C'est rare, mais ça arrive. Donc, je pense que je vais prendre le champi. Pour rajouter des cases, comme ça si je refais 5, je pourrais faire 6, 7, 8. Ce qui serait bien. Pour pouvoir enfin avancer. Voilà, allez. Alors. Ok. Ajoute 3 au résultat de votre lancer. Ça se fait reculer de 2 cases. Et ça divise le résultat du lancer de l'adversaire par 2. Non. Je t'aime bien, Bloops. Mais malheureusement, cette fois, je vais devoir utiliser le champignon. Voilà. J'espère enfin faire un vrai chiffre. Si je fais 2. Si je fais 2 au prochain tour. Mais j'hallucine. Je ferai 2. S'il me ferait plus 3. Et donc au final, eh ben, je me retrouverai à 5. Non, franchement, je peux tout faire, tout sauf 2. Je veux bien refaire 5, c'est pas grave, je refais 5, parce que dans tous les cas, je rajouterai 3, mais pas 2. Alors là, j'en reviendrai pas. Il y a quasiment aucune chance que je fasse 2 quand même, surtout s'il gagne le doré, mais bon. Ah, tir au zébourif. Les zébourifs, plutôt appelés en français les fusils, mais bon, comme vous voulez. Alors, allez. En fait, il faut les viser. Je sais pas si on l'a fait ensemble ce mini-jeu ou pas, parce que moi je l'ai déjà fait par contre. Voilà, alors. Ok. Donc, on vise. Voilà, allez. Mince, oula, là c'était très mauvais comme lancer. Très très mauvais même. Mais eux ils sont tellement nuls que c'est bon. Oh, je vais rattraper. Voilà, allez. Là, là c'est bien meilleur. 10, je crois que c'est le max qu'on peut avoir en avancé. Mon dieu, eux, ils arrivent à faire 2. Je me demande comment on peut faire 2, quoi. Faut le vouloir. Hein. Allez. Et voilà, je refais 10. Ouais, 10, ça m'a l'air d'être le maximum. À mon avis, on peut pas faire plus. Donc voilà, là, il y avait plein de problèmes avec la gyroscopie. Entre chaque session, mais si on appuie sur la croix directionnelle, ça recentre, donc c'est cool. Allez-y. Voilà, pour l'instant j'ai perdu aucun mini-jeu, ce qui ne m'empêche pas d'être vraiment quatrième, mais quatrième très très loin derrière. Enfin. Voilà, allez. Donc là je vais lancer les dés. Ah non, non, d'abord c'est à Waluigi, c'est ça? Je crois que c'est à Waluigi. Ouais, vas-y Waluigi, je t'en prie. Distance-moi encore un peu. Oh oui, tu peux faire reculer Mario sinon. Pourquoi pas. Ça ne me dérange point que tu fasses ça. Allez, lance. Ouais, bon. Ils ont plus envie de me mettre trop de distance. Ça me va comme ça, je suis bien content. Mais je suis quand même tellement loin derrière eux. J'ai l'impression que ce serait le moment idéal pour s'arrêter sur une case objet. Tu ne crois pas, Yoshi? Bien sûr, Todd Jaune. C'est vrai que c'est moi qui choisis. Bon. Voilà, allez. Donc, je vais lancer. Si je fais 2, je rachète le jeu. C'est horrible. Ouf. Ouf. 12. 13. Voilà. C'est bon. Je suis tiré d'affaire. En espérant ne pas tomber sur une autre case nulle. Voilà. Ok,
Super, en plus je déclenche un mini-jeu et comme j'aime bien les mini-jeux, ça va. Oh! Il a l'air d'avoir des objets cool. Alors, quel mini-jeu? Celui-là, il est bien. Je sais pas si je voulais montrer. Lui aussi, je l'ai fait en solo, mais je sais pas si je voulais montrer, donc je le lance. Il est plutôt sympa. Allez, voilà. Ok, donc là, il suffit de monter en évitant les pierres que balancent les... Je sais pas comment ils s'appellent. Voilà. Je suis bien premier là. Ils sont vraiment pas très bons les autres. Et voilà. Alors, où en sont les autres? On peut regarder où en sont les autres. Je trouve ça d'ailleurs assez cool comme système. Puis comme ça, regarder où ils sont. Et ben voilà. Donc Mario a perdu. Waluigi, il se débrouille quand même pas mal. Hein. Genre, il est toujours deuxième, enfin bien souvent deuxième, c'est... Ouais, ce sera peut-être lui mon principal adversaire durant cette partie. Allez. Alors, échangez votre place avec celle d'un adversaire. Hors de question, faites reculer un adversaire de 5 cases, ajoutez 5 au résultat de votre lancer. Je me tâte quand même à prendre le Kamek, parce que j'ai peur que quelqu'un de près militise contre moi. Bon, j'ai utilisé ça. Ça m'a l'air bien mieux vu les chiffres vu les chiffres fous que je fais tout le temps. Voilà. Ouais, il prend ça. Bah, c'est quand même un très bon objet, sauf quand t'es premier, quoi, mais bon. Ouais. Elle a pas le choix. Et Mario, lui, il a rien. Mario, il a pas de chance, c'est lui qui s'est pris un objet et en plus bah, il est dernier. Enfin, en plus il a aucun objet. Allez. 5. 5 c'est un chiffre, j'ai l'impression que la partie aime bien depuis le début. On fait que de faire des 5. Surtout moi d'ailleurs. J'en ai fait 4 depuis le début. Alors qu'est-ce que c'est? Ok, défi contre une tour de Goomba. Oh, une bifurcation, quel chemin vas-tu choisir? Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Le chemin le plus sûr est celui de gauche. Le chemin de droite te mène à travers la périlleuse zone de Bowser. Quel chemin vas-tu prendre? Bah ouais, non? Comment ça? C'était du hasard ou quoi? Parce que quitte à choisir, moi je préfère aussi aller à gauche. Hein. Mais, je crois d'ailleurs que ça doit être le premier. Ça doit être le seul. Oh! Il a vraiment pas de chance. Ça doit être le seul Mario Party dans lequel il n'y a pas Donkey Kong. Je viens de capter. Il n'y a pas Donkey Kong dans ce jeu. On l'a pas vu jusqu'à maintenant et apparemment il a l'air d'être nulle part. Donc ouais, c'est le seul Mario Party depuis le début, quoi, sans Donkey Kong. C'est assez fou, je trouve. Il était jouable jusqu'à Mario Party 5. Après, il est devenu secondaire, mais quand même, il était là. Ah, pas de chance. Il en faut bien. Oh, une topi-top. J'aurais bien voulu savoir comment ils les appellent en québécois. Pas de chance, en plus d'être dangereuse, la zone de Bowser t'oblige à effectuer un détour. Dommage, Daisy. Hey, le joueur en tête a déjà parcouru la moitié du plateau. Rattrapez-le. Ok, c'est l'occasion de jeter un coup d'œil au classement. Voilà. Bah, comment se fait que Mario soit en premier? À mon avis, il y a un bug. Ah non, comme Daisy est dans une bifurcation, ça doit faire un... ça doit avoir une erreur ou je sais pas quoi. Donc tout est encore possible, n'oubliez pas que la victoire repose aussi sur une utilisation judicieuse des objets. Alors utilisez-les intelligemment pour prendre la tête. Ok, encore un mini-jeu. Cool. Voilà. Pas mémoire courte, je l'ai jamais fait mais je le sens mal. Et ben voilà. Vous avez joué à mémoire courte qui remportera la première place. Je l'ai jamais fait, mais je le sens plutôt mal comme jeu. Donc prendre des notes, déplacer le curseur, confirmer. Prenez des notes afin de retenir la disposition des personnages, puis essayer de les retrouver. Ok. Voilà, alors. Je pense que je vais écrire les initiales des persos. Ok. J'écris super mal. Oula. Là.
Mince, je sais plus du tout. Le pompe, il était où? Mince, ah, il était par là-bas. Voilà. Ok, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Le bloops. Ok, le bloops, je l'ai mis là-bas. Voilà. Ok, parfait. Oh, lui. Je crois qu'il était juste à côté, je connaissais plus son nom. Je crois que c'est lui. Et ouais, c'est ça, ok. Bon, ça, c'était pas très dur comme jeu. J'écris tellement mal. Moi, j'arrive à me relire, genre, bloops, goom, pour Goomba, mais... vous, effectivement, c'est pas simple du tout. Surtout écrire avec un stylet, bon. Et bon, encore une fois, premier. Donc, donc voilà. Voilà. Je vais gagner tous les mini-jeux, hein, c'est presque certain, sauf s'il y a un mini-jeu de hasard, bien sûr. Pour l'instant, il n'y en a pas. Allez. Alors. À toi, Waluigi. Vas-y, échange avec Daisy. Échange pas avec moi. Si tu échanges avec moi, je pète un câble. Ouf, j'ai peur. Avec Mario, pourquoi pas. Ça, change... ça ne change pas grand-chose à moi. Donc ça, là. Voilà. Oh, mais là, ils ont trop de chance. Ils font des chiffres, mais incroyables. Vas-y. Ça, j'ai trop peur de me retrouver dans la zone de Bowser. Ah, mais ils ont de la chance, eux. Oh, et en plus, un objet. Qu'est-ce qu'il est chanceux. Oh, en plus, c'était à cet objet-là que je pensais. Éclair, soustracteur, retranche 3 au résultat du lancer de l'adversaire. Oh mon dieu. Ça paraît assez hard comme pouvoir. Moi, je l'utilisais. Hein. Sans que j'utilise maintenant ou plus tard, ça change pas grand-chose. Voilà, allez. Bon, ça va. J'ai fait des lancers pires. Donc ça fait 13. J'espère pas aller dans la zone de Bowser. Allez. Allez, Yoshi. Donc là, je veux surtout pas aller dans la zone de Bowser, pitié. Ouais, là, stoppé. Ouf, super. Voilà, en plus il me reste pas mal de cases. Ah bah non, bon c'était pas tant que ça, mais bon. Oh, c'est un boulouf endormi, vous feriez sûrement mieux d'éviter de le réveiller. Ou un champ sinon, c'est bien aussi. Comment on fait pour éviter de le réveiller? C'est très étrange. Parce que j'imagine que si on le réveille, eh ben, on se retrouve au début de la zone. Il doit nous bouffer. Oh. Le canon, ça doit être un super raccourci, mais bon, personne n'arrive à le prendre. Ma pauvre. Essaye de pas faire 6 quand même. Ce serait bête. Ah bah. Ok, qu'est-ce que je disais. Et voilà, dommage pour toi. Tu vas reculer. Évite de reculer de 6. Ah, ça va. Parce que c'est... Moi, c'est ce que je faisais du surplace au début de la partie, là, ça va mieux. On s'est quand même pas mal tiré pour quelqu'un qui a passé les deux premiers tours à faire la même chose en boucle. Voilà, allez. Ok. Alors, quel mini-jeu. On les a tous faits, hein. Lui, il est assez sympa. Je sais pas si je l'ai fait avec vous ou quoi, mais il est super sympa. Voilà, donc on se déplace. Non, je crois que je l'ai pas fait avec vous, mais il est pas mal. Faut aller à la fin du parcours, tout simplement. Voilà. Prêt ? Partez ! Allez. Et en plus, c'est un remix de la musique de Mario Galaxy, de la glissade dans Mario Galaxy, donc juste pour ça, c'est génial. Voilà. Ouh. Les 42 secondes, là, c'est mon record que j'avais fait, justement, dans le mode mini-jeu. Voilà, allez. Oula, c'est nul par contre. La première fois j'étais passé à gauche, en fait c'est bien mieux. Voilà, allez. Non, j'avais pas le temps. Voilà, on attend. Voilà, allez. Bon, je battrai pas mon record. Ah si. D'un peu moins d'une seconde. Ça va.
Là, ils en sont loin les autres. Ils ont du mal. Hein. Oh, Waluigi et Mario, ils talonnent ici. Allez. Oula. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bravo. Mais... Et en plus, tu dois les attendre. J'espère que ça va pas durer 3 heures non plus. J'ai pas que ça à faire. Allez, Mario, vas-y, vas-y, Mario, tombe pas. Ok, c'est bon, c'est bon. Ouf. Waluigi va pas tomber là. Ah. Bon, voilà. C'était plutôt long d'attendre que les ordis finissent. Mais j'ai fait un nouveau record, je suis plutôt content. Par contre, parcours gyroscopique, ils sont pas trop foulés pour les noms de mini-jeux quand même. Alors, voilà, allez, à toi de jouer, Waluigi. Essaye de faire un chiffre suffisamment grand pour entrer dans la zone de champ et juste me dire ce qui se passe quand je tombe dedans. Ça m'intéresse. Voilà. Merci. Merci, Waluigi. Allez. Bon, hein, ok. Tu pourras pas me montrer ce qui se passe, tant pis. Alors, eh bien, j'ai plus de blé, donc je vais juste faire un lancer normal. Oh, pas mal. J'espère que je vais pas me prendre le champ. Non, il faut tomber sur la casque en interrogation. Bravo Yoshi, tu as traversé la forêt du boulouf. Regarde, tu vois ce château loin, c'est là que se trouve l'arrivée. Mais avant d'y arriver, tu vas devoir vaincre ce terrible baboum. On va faire comme si on n'avait rien lu. Ce terrible womp, ça devrait être un jeu d'enfant pour toi, non? Allez. Ok. Bon, ça se passe bien pour l'instant, je suis plutôt content. Allez, un objet cool. Oh! Oh mon dieu! Et là, la chance est de mon côté. Hein. Mais je vais quand même pas me réjouir trop tôt parce que on sait jamais. Hein. Avec ce jeu, on sait jamais. Ouais, qu'est-ce que ça fait ça? Je sais plus ce que ça fait. Le résultat du prochain lancer de Yoshi sera divisé par 2. C'est ça, ok, bon, ça va. C'est pas si grave parce que de toute façon, j'ai un champi doré. Il me rajoutera 5 cases, donc 2 cases je pense, puisqu'ils doivent arrondir à l'inférieur. C'est souvent ce qu'ils font. Voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il reste 11 cases. Dans tous les cas, je pourrais pas y arriver au prochain tour. C'est certain, ça. J'espère par contre que l'autre va pas utiliser son éclair, parce que s'il utilise son éclair, là par contre, je suis un peu embêté. Ah, ça va, il en sort de la zone. Elle a de la chance. Elle a de la chance. On n'est jamais tombé sur une case Bowser, je sais pas ce que ça fait. Hein. Oh, mais elle a plus de chance que ça, en plus. Voilà. Fais attention au boulouf. Je pense que si quelqu'un se tombe sur la case pour l'interrogation, le boulouf se réveille et il écrase tous ceux qui sont dans la forêt. Très bien, encore un petit effort, l'arrivée n'est plus très loin. Consultons encore une fois le classement. Ce classement me va bien, pour l'instant, même si j'aimerais bien que ce soit le classement final. Mario est à la dernière place. Tiens bon, ce n'est pas fini, tu peux encore changer le cours de la partie. Surtout si je t'offre cet objet. Non, 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 non. Bon, ça va. J'ai eu peur que ce soit un éclair ou un truc comme ça. Voilà. Donc Mario choisit le mini-jeu parce qu'il se trouvait à la dernière place. Chute de pique, j'ai jamais fait. Bon, tant pis. Comme tu veux, Mario. Donc là, faut juste éclater des ballons avec la gyroscopie. Plutôt simple. Ok, tout bêtement. Voilà. Prêt ? Partez ! Alors, où sont les ballons ? Ah, ok, ils sont en hauteur, voilà. Ok, là on descend un peu. Voilà, c'est assez sympa ça, ce genre de mini-jeu, moi j'aime bien. Donc là, 1x3, voilà. Je sais pas trop dans quel genre d'appareil on est. Ça ressemble à un deltaplane avec une hélice. Bah, c'est ce que c'est, je pense. Et bien voilà, un perfect. C'est pas très dur quand même comme mini-jeu. En plus, je l'ai déjà fait une fois, c'était exactement la même disposition pour les trucs.
Bon, bah là, même si je faisais 12, j'avancerais pas beaucoup à cause de ce bloops. Et j'espère que l'autre va pas utiliser l'éclair. S'il utilise l'éclair, j'espère que ça annule l'effet du bloops et que ça fait pas diviser par 2 puis par 3. Allez. Ah bah il veut pas l'utiliser. Ok, il veut peut-être le garder pour la fin. Hein. C'est possible. Oh, plus 2. Il tombe où là? Ah, il tombe pas sur le champ. Ça va. Alors. Donc là. Ok. Par contre, j'ai peur de tomber sur une case Bowser. J'espère qu'il va pas arriver un truc trop dérangeant. Oh mon dieu. J'ai avancé de 4 en fait, en tout, je pense. Parce que 9 divisé par 2. Ouais, moins 4. Ah non, il arrondit au supérieur. Ça c'est sympa. C'est rare dans les Mario. Case objet encore. Un autre champi doré. Oh non, c'est quoi ça? Ah, l'élimine l'autre Kamek et change la place de tous les joueurs sur le plateau. Non, il est hors de question que je l'utilise. Mais vraiment hors de question. Là, ce serait se tirer une balle dans le pied. Oh non. Oh non. En fait, c'est peut-être ça qui va causer ma perte. Hein. Parce que là, je suis à 6 cases de l'arrivée. Il faudrait que je fasse 12 la prochaine fois pour y arriver. Ils sont vraiment pas sympas. Hein. Ben, c'est pas au tour prochain qu'on gagnera, ça c'est certain. Oh, une étoile! Si tu multiplies le résultat, je vais te relancer par 2. Mon dieu. Faut surtout pas qu'il gagne ce mini-jeu. Ah, vas-y, à toi. Essaye de tomber sur le bouffe. Je crois qu'elle le... Elle tombe dessus? Non, elle le passe. Ah non, c'est bon. Ouf! Merci bien. Ça va les ralentir un peu. Sur le bouffe. Non, mais maintenant je prends le réflexe. Non, sur le champ. Voilà. Ok, bah elle les ralentit. Moi, ça me va parfaitement. Et s'ils pouvaient arrêter d'avoir des objets qui me divisent mes scores, ça m'irait aussi. Voilà, donc un mini-jeu. Choisis un bon mini-jeu cette fois, s'il te plaît. Ouais, ça va. Ça va. Faut juste réfléchir suffisamment vite, parce que je me suis déjà fait piéger quand même dans ce mini-jeu. Donc ça, c'est l'un des premiers mini-jeux que j'avais fait durant live en plus, je crois. Faut juste éviter de se faire écraser. Voilà. Ça commence bien. Ah bah non, c'est bon, c'est là. Ah bah, il y a pas mal d'issues. Là, il y en a une quelque part par là, voilà. Ok, Daisy, c'est déjà fini. Oh, Mario, ouf. Allez, maintenant, on voit Luigi, reste plus que toi. Voilà, donc là, c'est par là. Ok, là, ça paraît assez évident. Oh, le pauvre. Eh bien, voilà, c'est fini. Donc, voilà, normalement, à moins que je fasse 12, si je fais 12, normalement, là, j'ai gagné le jeu. Mais c'est pas sûr que je fasse 12. C'est même quasiment impossible. Mais je vais m'en rapprocher. Faut juste pas que je tombe sur la case de Bowser. Si je tombe sur la case de Bowser, là c'est fini. Je peux dire au revoir à ma première place. Allez. Il utilise son objet ou pas? Non, je crois qu'en fait, il peut pas l'utiliser quand j'ai déjà été affecté par un autre objet. Donc, je pense qu'en fait, Mario le gêne plus qu'autre chose. Dans son truc. Oula, c'est vraiment pas de chance là. On dirait vraiment que la chance du jeu s'est retournée. Elle s'est dit non, j'en ai marre de voir Kirbano perdre tout le temps, donc voilà, pour une fois je vais le laisser gagner. Et haut la main. On dirait. C'est vos plaintes contre la chance du jeu qui sont réalisées. Merci, hein, ça doit être grâce à vous. Voilà. Alors, ah non, bon non, je croyais que j'avais autre chose. Voilà, allez. Ok, 7, donc ça fait 4, et je tombe sur Bowser. Non. Non, oh mon dieu. J'aurais bien voulu que ça arrondisse à l'inférieur, là. Qu'est-ce qu'il va me faire? Me faire perdre mes objets? Au moins, ça me va, ça. Oh mon dieu. Échangez vos objets. Oh mon dieu. Moi, fallait bien qu'un jour la chance se retourne contre moi.
sais pas où ça m'amène, ça. Bon, ça m'amène là. Je suis toujours premier, mais c'est quand même assez abusé parce que j'ai toujours toutes les chances de retomber sur une case de Bowser au passage. Mais bon. Faut juste... Ah, en plus, faut Luigi au prochain tour, il a utilisé son éclair. Là, c'est obligé. Il va en profiter. Allez, toi, va dans la zone de lave. Mon dieu, le joueur il est déjà dernier et en plus de ça il se retrouve dans la zone de Bowser. Oh le pauvre. Bon bah dommage. En tout cas j'ai l'impression que ça a quand même duré très longtemps cette fin de parcours parce que... Enfin cette fin de circuit parce que je vais me retrouver bloqué pendant pas mal de temps dans cette ligne droite, je le sens. Oh oh. Un petit champi là, ça me ferait bien plaisir. Alors, ça, je sais pas ce que c'est, jamais fait. Mauvaise graine. Alors, se déplacer, confirmer, choisissez le volant que vous voulez arroser, mais prenez garde, certains se transforment en une redoutable fleur piranha. Oh non, encore un jeu de hasard. Ok. Les jeux de hasard, c'est quand même assez nul. Allez. Ouais, donc c'est carrément un jeu de hasard. Bon, bah je vais prendre à elle, elle a l'air cool. Mais j'en sais rien du tout. J'espère vraiment pas crever au premier tour, quoi. Voilà, c'est bon. Que Mario. Mais, enfin, c'est bon qu'à moitié, parce qu'au final, on n'en sait rien. J'ai peut-être pas avoir de chance là. Je pourrais me retrouver avec un objet Kamek. Allez, pitié, pitié, pitié. Et mince. Oh non, c'est Waluigi qui gagne. Des fois, ce jeu est quand même assez énervant. Je ne vais pas faire de pronostic sur la roulette. On va voir. Ok, bah, elle a fait 5, il n'y avait aucune chance. Je vais me retrouver avec l'objet Kamek, super. Allez. Bon, je m'étais peut-être réjoui un peu trop vite. En fait, je vais peut-être perdre. On va voir ça. Oh, il a choisi le Kamek. Ouais, parce qu'il compte échanger avec moi. C'est vrai que c'est pas bête. Voilà, toi tu prends ça. Sauf que t'avais pas trop le choix. C'était soit le champignon turbo, soit le champignon turbo. Champignon turbo, c'est quoi aussi ce nom? On appelle ça un super champi. Voilà. Bon, et bien c'est parti. Ah, c'était déjà la fin du tour, ok. Ah, c'est sympa comme jeu aussi. Et je crois que par contre que je vous l'avais déjà montré, lui. Enfin, je sais plus. Il faut tracer des cercles pour capturer les Goombas qu'il y a à l'écran du haut. Allez, voilà. C'est parti. Allez. Voilà. Ok, par contre c'est pas trop de ce côté-là que je vais envoyer, mais tant pis. Oh super! On peut en faire un géant et en capturer plein. C'est à nous de gérer un peu comment on s'y prend. Allez. Bon ça va. J'ai eu peur que Waluigi me dépasse, parce que certains moments c'était quand même assez juste. Au final, ça va. Et Waluigi, il est toujours deuxième au mini-jeu, il s'en sort bien. Et puis là, avec son Kamek, il a une chance sur 3 quand même de prendre ma place. Ce qui ne me plairait pas trop. On va voir. Alors. Ouais. S'il tombe sur moi, j'hallucine. Ouf. Il échange avec Daisy. Ce qui ne me change pas grand chose. Alors là, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour gagner, il faudrait que je fasse 9. Il faudrait que je fasse 9 ou plus. J'ai quand même peu de chance de les faire. Mais on va voir. Ah, pas de chance, toi. Et bien voilà. 4.
Il tombe sur la case du champ, mais... Ah non, non. Ah non, je le voyais plus près. Voilà. Alors, à moi. Allez. Voilà. Donc, j'utilise mon champignon. Et... Je... Eh bien, je lance le dé. Allez, voilà. Oh ! Mon dieu ! Mais j'en reviens pas ! J'en reviens pas ! Je suis trop content, là ! Bon, j'imagine que j'ai pas gagné tout de suite, parce qu'il y a lui qui a l'air de vouloir m'embêter. C'est quand même pas mal. Si tu arrives à vaincre ce baboum, tu pourras atteindre l'arrivée, lance le dé et en garde. Tu dois faire un 6 pour venir à bout de cette grosse butte, une brute, espérons que la chance sera de ton côté. J'ai aucune chance. Je viens déjà de faire 2-6, j'en ferai pas un troisième. Oh ! Moi, mais... Mon dieu, mais... Je n'en reviens pas, là. Enfin, je ne vais pas me plaindre, hein, pas du tout. Mais c'est assez incroyable, quand même. Voilà, j'ai vaincu le Womp. Il ne me reste plus qu'à rejoindre l'arrivée. Eh bien, première fois que je gagne sur ce let's play de Mario Party Island Tour. Je suis trop content. Je suis la superstar. Vous m'aviez dit que Yoshi, à chaque fois, c'était un portable cheaté quand l'ordinateur l'avait, parce qu'il avait trop de chance. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que dès qu'on joue avec Yoshi, eh ben, on est cheaté, parce que je sais pas, mais dans les autres let's play, c'est souvent Yoshi qui a gagné. Donc là, j'ai Yoshi, voilà. Oh mon dieu, je suis super content. En plus, je suis tombé sur aucune case relance. On a manqué pas mal de cases, par contre. Tant pis. Il y a fait quoi d'autre comme objet ? Il n'y a pas de banane. Ah, donc ça, je sais pas ce que c'est. Cadeau de l'Akitu. Pourquoi l'Akitu ? L'Akitu, voyons. L'objet des choix. Ah, à mon avis, tu choisis juste le chiffre que tu veux faire. Ok, ça c'est quoi ? Objet joué contre le personnage, hein ? Ah, c'est des objets lancés sur d'autres gens. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Pop Banane qu'on a derrière nous et que... Qui, enfin, qu'on... Non, ça aurait été assez plus embêtant. Donc ouais, qu'on envoie vers l'avant ou je ne sais quoi. Voilà, victoire, un jeu de plateau, hein. Vous avez vu ? Ah, j'ai gagné le volcan de Bowser. Voilà. Ok. Eh bien, le let's play de Mario Party Island Tour touche bientôt à sa fin. Il reste plus qu'un épisode sur le volcan de Bowser. Donc là, cet épisode était un peu plus long, mais c'est normal, c'était le plateau le plus long du jeu. Donc, on va en rester là pour cette fois. Normalement, je sortirai l'épisode prochain demain, sauf empêchement, mais s'il sort pas demain, il sortira après-demain. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et on se retrouve demain ou après-demain pour la suite. Voilà, bye!